Johnny. Salutations, petit capitaine et grands amiraux, ici StarCat, votre hôte, et nous nous trouvons dans une vidéo du premier de la classe avec ce cher Hindenburg. Hindenburg ! Avec moi en vedette, évidemment. Nous sommes donc sur World of Warships, comme vous pouvez le voir, le monde des navires de guerre, comme vous pouvez le constater. Et évidemment, nous sommes sur la carte. Oula, je ne sais pas du tout. Point chaud, mais oui, point chaud, parce que je ne reconnaissais pas parce qu'il avait configuration différente pour les bases. Donc. Un point chaud un peu différent avec A et D sur les côtés. Et avant, normalement, c'est A, B, C avec le B au milieu. Et là, le point chaud, là, il n'est pas représenté puisqu'il n'y a personne au milieu. Donc, c'est pas vraiment point chaud. Qu'est-ce que nous avons en face? Nous avons surtout du rang 10, hein, donc Kurfürst, des moines Worcester, Edenburg, Mosva, Arugumo, Yuayang. Un Alsace, un Musashi en rang 9, et un North Carolina deux fois en rang 8. Et chez nous, on avons deux Musashi, un Montana. Monarch et Tirpitz, donc très bon navire. Deux Desmoines, un Minotaur, deux Hindenburg aussi. Et deux Shimakaze, donc des volets de compétences. Alors la première partie ça se fait comme ceci. Deux groupes, il semblerait. Un groupe qui, comme d'habitude, va sur D. On regarde un peu la mini-carte. Et un groupe va sur A, logique. Tout à fait dans le cadre des choses. 1, 2, 3, 4, 5, 5 navires. Il semblerait qu'il y a un destroyer qui soit AFK au milieu. Pas sûr. Je lance aussi, comme le Tirpitz, mon chasseur. D'ailleurs, ce sont mes chasseurs, je crois. Pas tout à fait sûr, on va bien voir. Ah oui, c'est mes chasseurs. J'ai pris la compétence d'augmentation de nombre de chasseurs. Par contre, ils vont moins loin. Enfin, ils vont moins vite, pardon. Ils vont moins vite. Ils vont un tout petit peu moins vite, mais c'est pas grave parce qu'ils se placent l'un et l'autre à l'opposé. Voilà comme ça, et donc il tourne autour du vaisseau, comme ça, en opposé. Donc c'est pas mal, un qui va du côté des aiguilles d'une montre, et l'autre qui va dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ce qui fait que bah, ça coupe pas mal de choses, et ah, un navire qui a été repéré. Ah, North Carolina, eh bah oui. On va commencer. Alors j'ai le camouflage Union Square, pardon Union Square, si c'est Union Square, je sais plus. Union Jack, pas que ce soit Square, n'importe quoi. Moi. Alors j'aime beaucoup l'Hindenburg, hein. Parmi les croiseurs du rang 10, l'Hindenburg et le Zao ma préférence. J'ai une préférence pour l'Hindenburg parce qu'il tire plus rapidement, un tout petit peu moins blindé, mais il tire plus rapidement, et surtout il a plus de points de structure, donc il est un peu plus résistant. Mais il n'a que 51 000 points de structure. Pas extraordinaire. Là je me dis, il vaut mieux que je tourne. Sinon je vais me retrouver de l'autre côté de l'île. Ouh, 7 touchés avec 8 touchés avec un incendie. Oui, si je continue tout droit, je vais me retrouver face au North Carolina là-bas et ainsi qu'aux autres navires. Et là je suis repéré. Vous voyez, j'ai tiré dessus le navire qui était juste derrière là. Un croiseur. Ça va être un Worcester ou un Desmoines. Et là, aïe. North Carolina qui a essayé de me tirer dessus. Par-dessus l'île, vous voyez, c'est très... il a eu la chance vraiment de pouvoir raser la... raser les... la forêt, quoi. Vraiment là, vraiment du bol. Un Hindenburg est 10 km et juste devant lui, un North Carolina. Je lance quand même l'hydro, on sait jamais s'il y a un destroyer qui a lancé des torpilles. Ce qui m'étonnerait pas, hein, étant donné que... ah, allez, c'est bon. Moi aussi je rase l'île, et hop là. Par contre je suis de flanc, ça peut être dangereux. 6600, on va envoyer des perforants, aïe, ça pique, et voilà, les torpilles. J'ai obligé de tourner de toute façon, donc autant le faire. Wow, c'était chaud là. Là j'ai intérêt à revenir un tout petit peu sur tribord. Attention, ouais c'est bon. Le Nurkerline peut me tirer dessus ou quoi, je sais pas. Shimakaze passe devant moi pour essayer d'aller. Merci pour le écran de fumée. Ça sert pas à grand chose à cette distance là, je crois. Hein, mais bon. Si c'est bon, ça sert. Ah bah voilà. Voilà qui est bien. C'est bon, il y a un navire sur ma. Oui, il y a plein de navires sur ma gauche, ma droite là-bas. Et je suis quand même non détecté avec le Worcester. Heureusement, je suis en dehors.
sais pas combien de temps dure leur sur des confumés à la, au Yue Yang. Pas grand chose je pense hein. Et maintenant j'arrose Lindenburg de l'autre côté, qui lui n'est pas dissimulé. Eh oui. Et comme il a sans doute une. Ah bah voilà. Il a disparu. Je suis rentré dans l'écran de fumée, mais je pouvais pas le voir de toute façon. Si personne n'avait une vue sur lui, je pouvais pas le voir. Donc. Hop là. Là, la gros tas des ennemis est là-bas. Bah, je veux dire, le gros tas. Bah, c'est pas un seul navire qui est un gros tas. Ah hein. Oh, bah d'accord, l'Idenbo est détruit par le Shimakaze. Logique, hein, dans un Shimakaze. A de quoi faire. Moi je vais viser les superstructures de l'Alsace. Je lui mets le deux feux pour la peine, tiens, prends ça. Si t'as pas de réparation, bah tu les prends tes feux mon petit gars. On a perdu 3 navires et ils en ont perdu 2. 5 touchés. Plus grand chose. J'aurais lancé un chasseur là maintenant. 10 secondes avant la fin du décompte fumé, voilà. Et je suis pas fou, je suis pas rentré dans la base A. Je sais que les navires qui sont derrière me repéreront tout de suite et me détruiront. Donc je vais faire le tour. On a un peu de temps devant nous. En plus on prend C pour l'instant. Ou ils reprennent C, on avait pris C. Ah oh oh. Le Mosva. Je passe en perforant. Le Mosva il est vraiment vraiment bien. J'aime beaucoup ce navire aussi, mais je n'arrive pas à le maîtriser. C'est un problème, j'arrive pas à maîtriser le Mosva. Il est trop long, trop gros, trop rapide. Donc il a une masse qui. Voilà. Il me tire tout dessus, mais hop là. Le démon, il faudrait qu'il reste là et qu'il tire pas et qu'il recule, je sais pas, mais en tout cas qu'il fasse attention. Worcester, non, non. Non, 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 t'es pas sur Worcester. Trop tard. Bon, j'ai bien fait tirer sur le Worcester quand même. 8 obus qu'on touchait. C'est là que je me trouve avec un démoine à 19 km, ça va. On a perdu 2 bases, donc là, bah, pour l'instant, on est en désavantage au niveau, du gain des points, mais les points sont toujours là. On est toujours en avance au niveau des points. Ils ont perdu le démoine. Donc on a 4 navires coulés chez eux, 3 navires chez nous. Faut qu'ils fassent gaffe les démoines, faut pas qu'ils avancent. On va rester comme ça. Il faut que moi et le démoine en fait on garde les ennemis juste sur A. Je suis en train de dire à Koutou du démoine de faire demi-tour parce que il va rester là mais il est perdu s'il reste trop longtemps là en fait. Il est perdu. Il va. Ah, qui capture D? Ah bah c'est évidemment. On a chassé l'ennemi D. Mais tous les ennemis sont là hein, donc en tout cas la moitié des ennemis sont là. J'ai intérêt à tourner puisqu'il y a Montana encore là-bas aussi. Ouh, ça va faire mal ça. Ouh là je sens ça va faire très mal. Voilà, j'avais dit. Et heureusement je peux réparer tout de suite. C'était une erreur mais je voulais surtout que relâcher un petit peu la pression sur le démoine. Faire que les gens pensent qu'il y a un autre navire aussi. Ah. Heureusement on me manque. Incroyable. Ah c'est le Worcester ça. Mosva recule. J'ai mes torpilles qui ont sauté temporairement. Là maintenant tout le monde me. Ah le Worcester est là. Le Worcester est là. J'ai pas passé en perforant. Oula, attention. Je suis quand même très mal, 88 000 points de dégâts. Faudrait que j'arrête de tirer en fait. Si j'arrête de tirer, normalement je serai plus repéré. Pendant un certain temps, faudrait que j'arrête de tirer. Ah, j'ai un petit monarque à côté de moi. Ah oui, ça, pour me tirer dessus, on tire dessus, hein. Y'a pas de problème, et voilà, pur piré. Ça fait du bien. Faudrait que je tourne pour accompagner le monarque en fait. Et c'est ce que je vais faire.
On a perdu encore un navire, le Musashi, le démon résiste toujours encore. Il se fait focaliser par l'Alsace aussi. Non, on dit pas hydro avec un i, on dit hydro avec un h. Et là, l'Alsace, je vais faire mon petit barbecue avec. À 14 000, je répare, j'ai plus de réparation, c'est mes dernières réparations. On peut pas dire que je prends pas de risque. Hein. Ah ouais, j'ai bien fait de tourner, on me visait, j'ai pas vu, tiens. Bah, ça doit être l'Alsace, à tous les coups. Non, c'est pas lui. Alsace, en plus, il tire à la cheux. Un incendie sur l'Alsace, qui continue. Il répare, mais. Ah bah voilà le Worcester, pardon. Là je suis vulnérable parce que je vais pas passer derrière une île, mais bon tant pis, hein, c'est le moment ou jamais de faire son beurre comme on dit. J'ai fait l'Alsace au feu, pyromane. Oula, j'avais fait énormément de dégâts sur lui alors. Bon. Vous débarrasser de ce saloperie de Worcester. Je sais pas ce qu'il a fait le Worcester là, il a fait peut-être une petite erreur, mais en même temps il a réussi à se débarrasser du démon, donc pour lui c'est tout bénef. Bon, je tire au perforant cette fois. Pas grand chose hein, le perforant, donc on va continuer à l'incendiaire. Je vais tourner parce qu'il y a le Mosva quand même aussi. Voilà, 1671. Avec un peu de chance, je vais l'avoir avant qu'il répare. Et le monarque aussi peut l'avoir. Ah bah, le monarque l'a eu avant. Non, il y a le Mosva. On a même. Mais c'est pareil, on a le même. On a vraiment. Ah, le monarque va se faire détruire par le Mosva, je pense. Et moi, pendant ce temps-là, je peux arroser le Mosva pendant qu'il se concentre sur le. Sur le monarque. C'est une bonne chose pour moi. Le temps qu'il détruise le monarque. Bon d'accord, le monarque a été détruit par un autre navire. Le monarque se concentre sur moi cette fois. J'ai de la chance, il me manque. Et moi j'ai pas le manqué. Je continue à l'arroser à l'incendiaire, je suis à 125 000 points de dégâts. Même si j'ai que deux tourelles qui tirent à l'arrière, je préfère parce que en perforant il est terrible le Mosva. Toucher un feu, j'éteins tout de suite parce que pas de feu du tout là. Attends, ah oui, il y a un enfermeur juste derrière. Je suis très mal, j'ai intérêt à passer hors. Wouhou, ouais, ça fait super mal là. Avec un peu de chance, les navires qui sont sur mon côté là-bas vont pouvoir prendre le relais. Ouais, normalement, je devrais y passer, voilà. Boum. Alors pourquoi je prends de la glace, je sais pas. Aucune idée. J'ai bien parti, mais bon. On va regarder un petit peu. Les autres navires, allez, Starcade, mets-toi sur un autre navire. On est à 4 à 5 là, c'est une sacrée. Un sacré moment là. Hop là. Voilà, alors le Musashi, si je me souviens bien, va s'approcher. Au début, je vais lui dire, mais n'y va pas seul. S'il y va seul face au Carolina, aux deux North Carolina, puis le Mosva est là aussi. Mais un de nos destroyers va sur C. Regardez les croiseurs et cuirassés, les autres sont là, ils sont trop loin. Et le Musashi en fait va prendre un gros risque, et ça va payer. Alors, il est pas repéré pour l'instant, s'il est repéré. Il va continuer en fait s'approcher avec le bord de l'île sur le côté qui le protège plus ou moins. De North Carolina, en plus il y a d'autres navires qui tirent, c'est vrai, il est pas tout seul. Mais quand même, c'est dangereux ce qu'il fait. En plus il brûle, il répare, il laisse le feu brûler. Les feux, je sais pas.
très vulnérables au feu quand même. Hein. Dommage qu'on ne voit pas aussi les feux, etc. où ils sont. Ah, on a deux destroyers. Et là, il y a deux destroyers. Il y a un destroyer ennemi en bas. Bizarre. Je l'ai vu disparaître. Le North Carolina va passer la pointe de l'île. C'est. Il a peur dans Fiora Line, faut dire que. En plus, il s'appelle Mushashi. Bien, Mosva réduit à 6100 points. La prochaine salle, normalement, il est mort. Le North Carolina n'a rien fait au Mushashi, bravo. Bel angle, enfin, il a mis dans le bon angle. Pourquoi il capture pas la. Ah oui, d'accord, ils sont en train de se tirer dessus, là, les destroyers, les deux destroyers. Il y a un croiseur en bas aussi qui va aider le destroyer. Il continue à maintenir une pression quand même là. Mais. Ah ouais, le Mosva, oui, c'est bon, laisse tomber. Oh, Mosva et Arugumo, les deux. Ouf. En même temps. Bon, bah, il reste deux navires. Il y a deux feux quand même, le Musashi. Hein. Il est en train de brûler à mort. Il n'y a plus de Mosva, donc il craint plus de choses, des feux. Il craint plus que le North Carolina. Et encore, le craindre, c'est un grand mot. Il recule, le North Carolina. Ouais, j'aurais pris le risque avec North Carolina, j'aurais foncé. Parce que les tourelles du Musashi bon, sont très lentes, et j'aurais tiré sur le côté, sur les flancs du Musashi. Mais malheureusement, il faut bien croire aussi, c'est qu'il y a un deuxième cuirassé qui est là. À Montana. Ouais, donc là, c'est foutu pour les deux pour North Carolina. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Hein. J'ai pas, ça, franchement, c'est une belle coordination de la part des deux North Carolina, mais malheureusement pour eux. L'équipe ennemie a une bonne tactique aussi, hein, y a pas à dire. Sinon, il ne serait pas monté aussi haut en points à côté de nous, quoi. Donc là, ça va être la fin. Et d'ailleurs, l'Enferlès essaie de se foncer sur lui pour faire un épronage. Ou alors, il s'avance très lentement là, très 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 lentement. Ah, on dirait que le Musashi tire bah oui là, boum, Musashi détruit. Ouais. Je pense que ça va être une explosion et ça va être la fin de la partie. À moins que le Montana réussisse à détruire le North Carolina avant. Mais si, je sais même pas s'il peut tirer dessus à cette distance. Ouais. Attends, il va même pas lui rentrer dedans. Il essaye. Attention. Attention! Oui, mais le Musashi avait le drapeau de l'épronage. Excellent! Bon, on se retrouve pour les statistiques, les amis. Pourquoi j'ai premier de la classe en ayant péri si vite? Eh bien, on se retrouve pour les statistiques de ma bataille en Hindenburg. Et on peut voir que j'ai reçu 427 000 crédits, 9 087 points d'expérience, 5 198 points d'expérience libre. J'avais sans doute des des fanions d'économique majeure. Et donc j'ai reçu c'est pas une diffugée, ça c'est, je crois que c'est pyromane. J'ai dû mettre le feu pas mal. Voilà, 6 incendies provoqués, ouais, ça a dû faire quand même un certain nombre de dégâts. Alors 134 000 points de dégâts infligés, 178 coups à la cible par batterie principale, 2 éléments neutralisés. Un navire détruit seulement, 6 incendies provoqués, 3 détectés. Donc c'est pas pour mes performances particulières qu'on est là, hein, c'est surtout pour voir comment je suis arrivé premier de la classe. Voyons maintenant la liste des joueurs pour vérifier que je suis bien premier. Oui, je suis bien premier avec 1986 points d'expérience avec mon petit Hindenburg que j'adore. Le deuxième c'était le Montana avec 1979, le troisième le Shimakaze avec 1933, l'Hindenburg 1864. Et on retrouve le Musashi qui a fait son épronage à la fin, presque dernier à 1454. Ce qui est assez bizarre, il n'a pas dû faire des dégâts énormes. Enfin, quoi qu'il en soit, je suis premier. Les 4 premiers ont vraiment changé la donne de la partie, je pense. J'ai bien résisté quand même, malgré tout. Hein, même si j'étais détruit à 2 tiers de la partie, bon, c'était sympa quand même, je me suis bien amusé. C'est le principal. En face, tous les navires ennemis détruits. Et le dernier par le Musashi par épronage. C'est assez amusant. Alors, j'ai fait 53 000 points de dégâts sur l'Alsace et je l'ai détruit, 24 000 points de dégâts sur le Mosva, 24 000 sur l'Hindenburg, 20 000 sur le Worcester, 12 000 sur le Carolina et, pourquoi j'ai le North Carolina qui est affiché mais sans dégâts, c'est assez étrange.
C'est pas grave, je suis arrivé donc à 134 000 points de dégâts infligés, 100 000 par batterie principale et 33 000 par incendie. C'est bien. Donc, obus tiré 399 plus 18, 417. 417, ça vaut 417. J'ai touché 178, 180, donc ce qui fait un peu plus de 30%, je pense. On calcule 3 fois 7, 21, donc ça fait 510, ouais. Ouais, donc ça fait 35% à peu près de précision, ce qui est pas mal pour moi. Pour moi, pour qui suis un joueur assez médiocre au niveau de la précision. Enfin, très moyen, on va dire. Donc alors, un navire de guerre détruit, 4 navires de guerre endommagés, 20 000 points de dégâts grâce à détection au niveau du jeu en équipe, 1 660 000 points de dégâts potentiels pour un croiseur, c'est pas mal au niveau du tanking. Sachant que l'Indenbourg est un petit cuirassé quand même, hein. Enfin c'est un cuirassé de poche, on va dire, pour ce rang-là. Deux navires de guerre détectés, un escadron détecté, 16 torpilles détectées, aucune capture, aucune défense. Alors j'ai duré que 13 minutes en bataille sur le 1739, donc c'est ça, j'ai duré à peu près 3 quarts de la bataille. Donc 50 km parcourus, 83 000 points de dégâts reçus quand même. Ouais, j'ai bien réparé, hein. J'aurais dû avoir Dreadnought si j'avais survécu à mon avis. Quoi qu'il en soit, premier de la classe, pourquoi? Alors là, vous m'en direz tant. Et là, pour l'instant, je vois que 90% dû simplement aux dégâts infligés au navire coulé, quoi. Parce que un navire coulé. Dégâts infligés, voilà, bah, à mes propres à mes homonymes en fait, croiseurs en face, Indianbourg 24 000, 24 000 Mosva, 20 000 sur Worcester. Je pense que ça fait que de là, hein. Je pense que c'est que les dégâts, hein, pratiquement. Il y a des dégâts aussi potentiels, bien sûr, mais là ça fait du 90%, voire 95%. Donc 90% pour les dégâts infligés, je pense, et 10% pour les dégâts potentiels. Voilà, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bon, je vais passer directement à la. Même d'accord ou pas d'accord d'ailleurs. Et donc, je passe directement au gain. Alors, au niveau des gains, j'ai reçu en tout 207 000 crédits, parce que j'ai quand même une maintenance de 219 000. Ça m'éclate ça à chaque fois. Pourquoi j'ai une maintenance de 219 000 avec un... Ah, j'ai pas dû mettre les... j'ai pas le camo, en fait. J'ai pas le camouflage avec les 50% en moins de la maintenance. Ce qui est normal, donc. Je me retrouve avec 162 000. Il faut toujours garder le camouflage original permanent, parce que sinon, on perd 50% sur la maintenance. Et bon, j'ai gagné que 207 000 crédits. C'est pas mal, mais quand même, voilà, c'est quand même assez petit quoi dans les rangs 10, c'est toujours comme ça de toute façon, faut pas se leurrer. Alors total donc des points d'expérience 9087. Pourquoi? Alors j'avais l'Union Jack, c'est-à-dire le camouflage britannique, donc 100%, Léviathan plus 50, le bonus journée de victoire plus 50 et plus 5 bonus du clan. Il y a rien de particulier en plus, hein, c'est vraiment, je dois avoir d'autres pavillons économique pour l'expérience libre, mais ils sont pas visibles, donc tant pis. Et 25 000 points d'expérience pour le commandant. Ah ouais, donc j'avais mis aussi sans doute des pavillons pour tout ce qui est commandant, expérience du commandant. Donc il fait que ouais, bah, mon commandant il commence à aller bien vite vers le 300 000 là, c'est très bien. Donc c'est dans son 19e et dernier point. Et ben voilà, c'était tout les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos remarques. Je vous dis à très bientôt pour une autre bataille. Ici Starcade, votre hôte, et nous retrouvons bientôt. Ciao, petits amiraux et grand capitaine. Rompez.